On a tous des souvenirs. La sonnerie de la pause matinale, la file d'attente à la cantine, les cahiers qui s'entassent dans nos sacs à dos, les discussions à la cafette, les rires dans les couloirs, des profs qui nous ont marqués, des cours qui nous ont passionnés, des matières révélatrices de notre futur. Nous sommes nombreux à avoir longé les murs du lycée. À Val-de-Reuil, ce n'était pas le cas avant le début des années 90. Ce grand bâtiment en forme de bateau, ce grand bâtiment où des milliers d'élèves sont passés, scolarisés. Tous ont un point commun, celui d'avoir été les pionniers d'un lycée jeune dans une ville nouvelle. Amitié, peine de cœur, les heures de colle, la découverte de soi, le passage à l'âge adulte, Marc Bloch prend 30 ans, un âge où l'on se souvient de ses années lycée. Des souvenirs qui marquent le jeune patrimoine de Val-de-Reuil, retour sur les bancs du lycée Marc Bloch. Ces gens-là, ils étaient en haut, t'avais le soulier, en bas, t'avais le soulier. Il n'y avait pas une passerelle. À l'air libre. 1994. Lee et Pauline n'auraient jamais imaginé ce que l'avenir leur préparait. À 16 ans, ce jeune Rolivalois et cette jeune Igovillaise se rencontrent dans la cour de Marc Bloch. Ah, voilà, ça, c'est un des jeunes Rolivalois, ça. C'est une blague. Ici, là. Oh, virage. Ça fumait des clopes. J'ai mis des cigarettes qui faisaient rire en cachette. Puis on mangeait des bonbons. Et puis, puis on disait qu'on allait à l'infirmerie. Et puis bah, des fois on restait bien 30 minutes ici là. On était une sacrée bande de filles à l'époque. Et bon, on se cachait un peu là-bas pour on se raconter nos petits secrets, faire nos petites bêtises de filles, voilà. Les retouches maquillage, la clope en cachette. L'escalier tournant, ouais. C'était un colimaçon, c'était... C'était un grand bâtiment au milieu d'un champ de blé. Tout ça, ça y était pas, toutes les maisons autour. Ah ouais, il y avait, non, rien il y avait du que tout. Dalle. Ouais, c'était vraiment. Même ce qui est en face, il n'y avait pas de maison en face. Non, non. Non. D'accord. Ah ouais. Oh non, c'était un lycée au milieu d'un champ de blé. D'accord. Génial. Et ben, première année, arrivé en seconde, moi je l'ai repéré le jour de la rentrée direct, dans un petit coin, avec un autre garçon. Et voilà. Et en après, jupe écossaise. En jupe écossaise, tout à fait. Que ma mère va me refaire pour le week-end d'ici, mais d'ailleurs. Trop bien. Vous allez venir avec, du coup. Ah bah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est l'idée. Moi, j'ai ressorti le béret, parce que là-bas, à l'époque, je portais ces bérets. On n'était pas en cours ensemble, on n'était pas dans la même classe, mais avec les bandes de copains, tout ça, on traînait plus ou moins ensemble. Et puis... je sais pas, de fil en aiguille, on s'est retrouvés un moment tous les deux. Puis voilà. Ce qui m'a marqué pas mal, ça a été les années... Il y avait un atelier de théâtre, en fait, dans le lycée. Et j'avais atterri dedans par hasard en fin de première année pour remplacer un pote qui était malade, mais du coup, il fallait quand même jouer le spectacle, donc j'avais remplacé au pied levé. Du coup, l'année d'après, quand j'ai changé de lycée, donc j'étais au Fontenelle, mais je venais quand même ici pour faire l'atelier théâtre. Voilà, ça c'est une anecdote. Qu'a fait, parce qu'elle était très... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, ça nous faisait marrer, ça nous faisait trop penser à Hélène et les garçons, genre. On était dans un sitcom quand on était dans cette cafette. C'était jaune poussin. Ouais. Il y avait quoi, quelques tables, un baby, un distributeur de cappuccino. C'est là que j'ai commencé à boire des cappuccinos. Et voilà, les parties de cartes, c'est vrai que j'ai appris à jouer au Magic, enfin voilà. À la fin du lycée, les deux amoureux se perdent de vue, avant de se retrouver 18 ans plus tard, par hasard. C'était en 2010. 2011. On avait 30 ans. Voilà. On s'est retrouvés en 2010. Au Terrasse du Jeudi. Terrasse du Jeudi à Rouen. Incroyable. Ouais. Puis voilà, nos cœurs ont refait des papillons et puis, puis voilà, on s'est mariés et puis on a fait notre fils. Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était un lycée tranquille, quoi. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas d'altercation, il n'y avait
pas de violence. Il y avait des groupes, mais tout le monde s'entendait vraiment très bien. Des groupes où on interagissait tous ensemble, les bandes, là. Et ouais, non, c'était vraiment un chouette concert. Et pourtant, ce lycée était loin de sortir de terre. Dans les années 80, la ville venait tout juste de voir sa population légèrement gonflée. Dans les écoles, l'affluence était loin d'être celle que nous connaissons aujourd'hui. Une normalité pour une commune qui venait d'être créée 10 ans plus tôt. À l'époque, le lycée des Fontenelles de Louviers était déjà bien inséré dans son environnement. Les opposants politiques qualifiaient les dépenses publiques dans les nouvelles constructions de lycées d'établissements poubelles, des lycées bar-tabac. Un mépris de classe pour des lieux destinés aux couches populaires et aux classes moyennes. Dans la presse, de nombreuses tribunes proclamant le manque de place, le manque d'avenir pour le bâtiment. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez sur le projet du lycée ? Ça fait très peu, ça fait 4-5 mois d'études, et puis il y a un an de chantier, et il sera livré en septembre 91 pour la rentrée. Quoi. Ce n'est pas vous qui avez choisi l'emplacement du lycée ? Non, non, ça, c'est la mairie, avec la région. On nous a donné un terrain sur lequel on nous a demandé de concevoir le lycée, mais le terrain, ce n'est pas nous qui le choisissons. Pourquoi le bâtiment est-il en longueur ? C'est assez joli dans le paysage de voir que le bâtiment accentue la pente. Hein, quand on vient de Louviers, qu'on le voit de très loin, on voit une espèce de sifflet comme ça, de plus en plus grand, avec le restaurant tout en haut et puis l'accueil en bas. Bon, donc c'était une manière de souligner le paysage aussi. Le grand trou, ici avec cette colonne blanche, c'est le grand escalier central qui va distribuer les trois niveaux du lycée. Alors cet escalier, il sera tout vitré. On verra tous les mouvements des élèves qui montent, qui descendent, qui vont de la bibliothèque au foyer ou au restaurant. Ça fera une espèce de grande fenêtre où il y aura beaucoup d'enfants qui passent. Ça sera assez vivant. On a essayé d'avoir le maximum de surface vitrée pour éclairer ces locaux et que ce soit très lumineux à l'intérieur. Vous nous avez dit tout à l'heure que ce serait assez classique, mais je pense que quand même ça sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'était un souci pour certaines personnes de voir un bâtiment très très long qui fait plus de 100 mètres de long et tout droit parce que ça fait penser aux anciens lycées des années 60, tu sais, où c'était des grandes barres. Mais en fait, tout dépend comment on l'aménage, comment on la traite, comment c'est fait à l'intérieur, comment c'est éclairé. Finalement, la forme, bon, elle est simple, elle est classique. Mais à l'intérieur, tu verras qu'il y a beaucoup de... Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que ça sera assez agréable. En 1989, Jacques Étienne, un architecte de la ville, se saisit du dossier avec son associé Henri Bayot. À l'époque, Yves Fréchon, un étudiant, l'accompagne dans le projet. C'est un projet passionnant. En plus, l'agence était sur le site, enfin, sur la ville de Val-de-Reuil. Et vraiment, le lycée, en fait, tout ce qui était scolaire était un peu des domaines architecturaux assez recherchés. Parce que c'était un peu des terrains de jeu pour les architectes. Il pouvait y avoir une certaine liberté qu'on ne pouvait pas retrouver dans d'autres programmes. Donc ça, c'était assez attirant. Et puis, bon, c'est aussi une occasion de montrer ce qui est possible de faire sur un terrain comme ça, et sur des sites qu'on connaissait bien, puisqu'on était implanté à Val-de-Reuil. Après plusieurs commissions, le cabinet est retenu. Les plans peignaient déjà le lycée que nous connaissons aujourd'hui, tout en longueur, mettant en exergue la côte qui mène au stade Jesse Owens. C'est plutôt la géographie, la pente du terrain, et ce qu'on pouvait imaginer de ce que le développement de la ville nouvelle allait entraîner. De faire un bâtiment qui puisse être à la fois une espèce de rempart et un repère par rapport à la ville nouvelle, qui marque un peu
en même temps une limite et en même temps une possibilité de développement au-delà du lycée. Ce qui ne s'est pas fait, sauf sur la zone industrielle. À l'époque, le corps enseignant qui allait inaugurer les lieux prenait part à l'élaboration du chantier. Jean-Paul Briglia, le premier proviseur, était déjà en poste. Moi, je me souviens surtout de son rôle au moment des réunions de chantier. C'est-à-dire quand le projet était quand même arrêté et bien défini. Et par contre, la mise au point sur la réalisation, il était présent aux réunions de chantier, il donnait son point de vue. S'il y avait des détails qui avaient besoin d'être affinés, il en parlait, etc. Donc, ça se passait de façon assez conviviale entre le maître d'ouvrage, le directeur, enfin le proviseur du lycée et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Le fruit sur le pignon avant, et c'est vrai que on a l'impression, enfin c'est ce que tu dis Jacques, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très fort à mettre un gros bâtiment rouge dans le sens perpendiculaire à la pente, ce qui se voit toujours, et puis d'accrocher la loge, tout le portique d'entrée, la bibliothèque et au-dessus le restaurant au-dessus de l'aménagement en terrasse sur un axe orthogonal avec les élèves qui sortent entre ces bâtiments et qui profitent des espaces des interstices, si vous voulez, qui se trouvent du coup protégés. Donc effectivement, je pense que ce qu'on voit toujours, c'est ce bateau, si on veut, sur cette grande pente sous la forêt de bord, quoi, en gros. Je me souviens d'un hiver terrible, rigoureux, un mois de février où le chantier était arrêté pendant un mois parce que c'était impossible de travailler. Chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Alors à l'époque, on arrivait peut-être aussi à financer des largeurs de dégagement vraiment très importantes. Je ne sais pas, ce n'est pas le cas de tous les lycées. Ça donne une espèce de fluidité, de truc qui est facile à vivre, et ça épargne peut-être les murs aussi, parce qu'en croisant. Et pas mal de tout le boulot donc consistait aussi à introduire de la lumière naturelle dans les dégagements. C'est-à-dire qu'on avait pris un parti en fait un peu économique, un couloir, une classe de chaque côté, sur deux niveaux, ce qui fait que aujourd'hui la lumière n'est pas très, très forte, mais ça pose une question d'éclairement des couloirs intérieurs. Donc, c'est pas là qu'on fait court, mais c'est quand même dans la vie de l'établissement, c'est traversé tous les jours dans tous les sens. Et donc, le fait d'avoir une double hauteur, etc., ça nous a aussi pas mal occupé, parce qu'il fallait introduire du désenfumage, etc., donc, pour répondre à la réglementation. Donc, mais c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir tel quel, quoi, finalement. Enfin, ça a été repeint, donc oui. C'est symptomatique que quelque chose s'est bien passé, quoi. Une construction qui a pris fin avant la rentrée. Le 20 septembre 1991, 350 élèves de seconde et de première rentrèrent dans ce bateau pour une année sans bac à la fin. Il faudra attendre 1993 pour que les premiers diplômes soient délivrés. Virginie s'en souvient. Elle fut l'une des premières élèves à être lycéenne de Marc Bloch. Moi, je ne suis pas du tout renivaloise, je suis plutôt de Pont-de-l'Arche, donc pas très loin en soi, mais donc j'ai fait ma première seconde au Fontenelle, puisqu'à l'époque, dès lors où vous étiez de Pont-de-l'Arche, vous partiez au Fontenelle, il n'y avait pas de lycée à Val-de-Reuil. Donc j'ai fait ma première seconde là-bas, que j'ai foirée lamentablement. Vous passez d'un collège de 300 personnes à un grand lycée comme ça, c'était... Bon, j'étais voué à l'échec. Et du coup, le lycée était construit. Et du coup, on nous a parachuté ici. On s'appelle parachuté parce que vraiment, on ne s'y attendait pas. On n'a pas du tout entendu parler de la construction du lycée en tant qu'élève, en tant que tel. On l'a vraiment su en fin d'année en disant qu'il y avait un lycée et qu'on allait être transféré
Donc voilà. Et quand on est arrivé ici, en tout cas pour ceux qui arrivaient de mon village, on était super contents parce qu'il était aussi petit que notre collège au final. Donc en fait, on se retrouvait vraiment dans un microcosme. Entrée lambda, j'ai envie de vous dire. Bon, un peu impressionné de se dire, on a déjà fait une rentrée de seconde, donc on en fait une deuxième et dans un autre cadre. Le fait d'arriver et qu'il soit neuf, on avait vraiment cette mission qu'il reste neuf. Et ça fait 30 ans. Et c'est juste, en tant que premier élève, franchement, c'est hyper émouvant de voir que tout le monde a pris le pas où nous, on laissait propre, mais du coup, derrière, tout le monde avait envie de laisser propre parce qu'un lycée qui a 30 ans, qui est aussi propre, franchement, je ne suis pas sûre qu'on en ait beaucoup dans le coin. Hein. De mémoire, on était venus avant la rentrée pour les livres, puisqu'il y avait déjà l'association FCPE qui était en place. Et on louait des livres plutôt que de les acheter, en fait, tout simplement. Donc, on était déjà venu au lycée une fois. Mais non, après, il n'était pas compliqué en soi. Donc, si je me souviens bien, premier étage, c'était les 100. Deuxième étage, c'était les 200 ou un truc comme ça. Et puis, voilà. Puis, on n'était pas beaucoup. Donc, finalement, on ne se perdait pas. On est arrivé. Et en fait, moi, l'image qui a été marquée, c'est quand on est arrivé, on a eu le droit au discours du proviseur, forcément. Qui était ? Monsieur Brillat. Monsieur Brillat, pareil, qui nous a quittés. Ça fait drôle quand on est vieille, en fait. Quand on a 30 ans, il y en a plein qui sont partis, malheureusement. Mais bon, c'était des gens vraiment magnifiques. Enfin, j'ai toujours ce souvenir de... Et Monsieur Brillat, le proviseur. Donc, petit homme, corse, mais qui le montrait bien, qui était vraiment avec du caractère. Et il est arrivé, il nous a fait ce discours mémorable où il nous a dit « Vous êtes là, mais je ne veux pas vous voir 3 ans. Enfin, après 3 ans, je ne veux plus vous voir. » Donc en gros, en tout cas pour les secondes, ils avaient le droit de faire un seconde, première terminale, ils se cassaient. On n'avait pas le droit de redoubler. Pourquoi ces 3 ans m'ont marqué? C'est que j'ai eu des profs qui ont marqué parce qu'ils étaient investis et que je suis désolée, je ne vais peut-être pas faire plaisir à certains profs qui regarderont peut-être la vidéo, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais sinon, globalement, que ce soit prof de français de seconde, qui était Monsieur Courtin, qui venait d'Avignon, mais qui était le prof, mais qui vous donnait qu'une envie, c'était de venir en cours. Parce que j'ai jamais vu un prof comme ça qui vous disait, un élève, en gros, c'était sa phrase de début de cours. Un élève, ça n'écoute que 40-45 minutes d'un cours. Donc, on va travailler 45 minutes. Et le reste, c'est un peu de débat, comme fait Monsieur Chambray maintenant, café tabou, un peu ce style-là, de fin de cours. Mais il était malin, parce qu'en fin de cours, c'était café débat, mais au final, quand vous réfléchissez, il vous avait inculqué certaines notions de français malgré tout. Monsieur Bourlet, en seconde, parce que je l'ai eu qu'en seconde, puisque quand vous faites littéraire, après, tout ce qui est science, vous ne les avez plus. Un jour, il nous dit, les filles, souvent, vous ne savez pas changer une roue, cours aujourd'hui, cours technique, on va sur le parking, et il a démonté sa roue et nous l'a remontée pour nous montrer. Et ça pourra toujours vous servir dans la vie. Voilà, cours de physique, génial. Mais c'est génial. Enfin, voilà quand je vous dis qu'on avait des profs qui étaient investis pour nous. C'est génial, la théorie. Mais combien de choses qu'on n'utilise plus dans notre vie après, qu'on a appris en cours? Combien de choses? Le prof qui vient vous montrer comment changer votre roue parce que, en termes de physique, et il avait, je sais plus, il avait tourné ça dans son cours. Peu importe. Mais, merci. C'était en enseignement qui a disparu. C'était ce qu'on appelait de l'enseignement physique pratique en première, c'est première L ou première ES. Et au fait, on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Et donc, moi je trouvais ça plus sympa d'aller montrer comment démonter une voiture et comment on pouvait réparer sa voiture plutôt que de faire des trucs très très théoriques qui n'apprendraient rien à des gens qui de toute façon ne feraient pas de physique théorique. C'est un pur hasard, en fait, ma femme était chercheuse au bassin d'essai des Carènes et elle avait su que le lycée se construisait et je m'étais renseigné. Et j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là le proviseur, M. Brillat, qui m'avait demandé de venir voir les plans, en quoi ça correspondait. Donc, dès l'année d'avant, même l'ouverture, moi, j'avais été déjà venu sur l'organisation du labo. Monsieur Brillat, qui était un enseignant de pratique sportive, de PS, et avait une vision tout à lui de management des équipes. Et donc, je me souviens tout à fait encore du petit film pédagogique sur la façon de cuire un poulet. Là, si, je me rappelle très, très bien. Oui, c'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est pas l'enseignement et la discipline par elle-même, mais c'est comment elle est transmise. C'était très original puisqu'on était déjà sur de la pédagogie en disant que l'essentiel n'est pas la transmission du fond, mais de façon comment on va le transmettre.
Et que donc l'idée, c'était comment on allait sur une population, parce qu'on savait très bien, il y a eu un long débat avant sur le territoire, savoir s'il fallait un établissement technologique ou un établissement d'enseignement général. Et c'est vrai qu'au niveau des résultats, on était plus sur un bassin qui aurait correspondu à un établissement plutôt orienté technologique que général. Mais ce que je veux dire, moi je me souviendrai aussi d'une année, parce que c'était aussi un échec complet des différentes réformes scolaires. On a eu une année en filière L, ils ont décidé de faire un enseignement scientifique sans expérience, complètement basé sur un enseignement théorique. Donc ça a pas loupé, et ce qui fait que les élèves ont décroché. Et donc, dans un commun accord, puisque plus personne, on n'avait pas de notes à mettre, il n'y avait pas d'évaluation au bac, donc au fait, ils n'en avaient rien, pas grand-chose à faire. Hein. Vous savez que quand on est adolescent, et de ne pas avoir de notes pour savoir comment on progresse, l'intérêt n'est pas forcément prononcé. Et donc ces années-là, je tairai le nom, parce que je pense qu'il devait y avoir un maire d'une commune pas très éloignée qui devait faire partie de ses élèves. Et donc, on avait décidé d'un commun accord de faire des analyses filmiques de science. Et il y avait une série de films qui étaient sortis sur les télescopes. Et il y avait une musique qui était assez endormante, et on avait cours de 17 à 18, une fois par semaine. Et je crois bien que dans le sens d'hypnose collective vers un endormissement collectif, était quand même de très prononcé. Je crois que sur facilement de... Il était tard, c'était le mois de décembre, il faisait bien nuit. Je pense que toutes les séances du mois de décembre, tout le monde a dormi. Toutes les semaines, c'était on dort collectivement. Voilà une petite anecdote qui m'est bien restée marquée. Si avant sa construction, les revues locales penchaient en faveur du nom Bernard Chédeville, c'est en 1996 que le lycée, alors appelé le lycée de Val-de-Reuil, est inauguré avec un nouveau nom, Marc Bloch. Une appellation que l'on doit à Guy Soudjian, proviseur de l'établissement de 1994 à 1998. C'était une époque très différente de la nôtre. C'était une époque où on croyait à la mondialisation heureuse, où on croyait effectivement à la fin des guerres dans l'humanité, à la prospérité universelle, si vous voulez. C'était une époque porteuse. On n'était pas encore dans cette époque-ci où on doute de l'avenir, si vous voulez, du tout. Hein. C'était une période très différente. D'où la... Et puis, la gauche avait largement inspiré, depuis les années 81, l'idée selon laquelle il fallait accorder beaucoup d'argent public pour l'instruction, pour l'éducation et la culture. Et donc, j'ai été absolument séduit par ce magnifique lycée qui se dressait au milieu de rien, finalement. Hein. Puis, sa situation était aussi magnifique. Puisque d'un côté, vous aviez la forêt de bord, l'autre côté, la vallée de Seine. Et puis, c'était une époque pour moi intéressante et heureuse, puisque j'ai appris que j'allais être nommé à Val-de-Reuil le lendemain de mon mariage, donc de remariage, si vous voulez. Pour la petite histoire, on allait acheter les papiers pour la chambre du futur bébé, et le téléphone a sonné pour m'annoncer que j'allais être nommé proviseur à Val-de-Reuil. Donc, ce qui était un phénomène heureux, puisque j'avais à l'époque 42 ans, et c'est relativement jeune pour être nommé proviseur de lycée, si vous voulez, parce que j'avais derrière moi une carrière déjà de principal de collège. Et en fait, il fallait tout de suite reconquérir l'identité, donner à ce lycée une identité, il n'en avait pas. Donc, toute mon action, ça a été ça pendant les 4 ans, de 94 à 98, en fait, c'était les 4 années où j'ai été proviseur de ce lycée. Ça a été de donner à ce lycée une identité, en fait, une identité pour qu'il s'inscrive dans le paysage. L'inauguration du monument pour la mémoire et pour la paix, qui se trouve à côté du lycée, a coïncidé avec la dénomination du nom du lycée. Vous voyez, Marc Bloch. Alors évidemment, je suis historien de formation. La première chose que j'ai lue en arrivant à la Sorbonne en 70-71, c'était Apologie pour l'histoire, le métier d'historien de Marc Bloch. C'était l'époque où on commençait à réhabiliter sa mémoire.
parce que Georges Duby, qui était un très grand médiéviste, avait écrasé un petit peu, si vous voulez, l'espace mémoriel autour des études d'histoire médiévale. Et donc, Marc Bloch a été résistant, assassiné par les nazis en 1943, et d'abord inquiété parce qu'il était juif, et déplacé et nommé à l'université de Clermont-Ferrand. Il avait fait partie de ces rares, de ces 4% de juifs qui avaient eu une dérogation au statut des juifs. Il y avait des dérogations. D'ailleurs, le Conseil d'État a passé 4 ans à donner des dérogations et à étudier le statut et à trouver des artifices pour... Je ne dis pas qu'il était résistant, hein, je n'irai pas jusque-là. Mais en fait, il a opposé le droit à la barbarie des nazis et de ses alliés. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi Marc Bloch? D'ailleurs, parce que j'étais historien et que j'aimais l'œuvre de Marc Bloch. Et puis parce qu'à l'époque, il y avait une grande polémique en 1996 autour du nom de l'université Strasbourg, qui avait donc à Strasbourg, on n'avait pas voulu que l'université de Strasbourg s'appelait Marc Bloch. Et moi, par provocation, j'ai dit le lycée s'appellera Marc Bloch. Voilà. Parce que ça faisait partie de du devoir de mémoire et que le lycée de Val-de-Reuil n'ayant pas de mémoire, j'étais tout jeune, et la ville elle-même n'ayant pas de mémoire, il fallait l'ancrer dans la mémoire. Et le fils de Marc Bloch, Étienne Bloch, est venu, c'est un monsieur déjà âgé à l'époque, c'est un magistrat de l'ONU, hein, juge international, magistrat international et ancien de la deuxième DB, il est venu rempli de livres, offrant des livres aux élèves d'une grande gentillesse, et c'était une très très belle journée d'inauguration. 4 années riches qui ont permis aux premières promotions de participer à de nombreuses actions. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait, outre la gestion au quotidien de celui-ci, lui donner un projet et lui donner, et à travers ce projet, une identité. Voyez. Et je me suis installé dans mes fonctions la première année, tout en voyant juste, à mon avis, tout de suite, il fallait miser sur les nouvelles technologies. À l'époque, le lycée était déjà en réseau. Il avait un réseau informatique Novell. Donc, c'est là où on a mis en place 3 leviers pour l'identité. Il y avait les rencontres du lycée, les conférences du lycée et le journal du lycée. Alors, les rencontres du lycée, c'était faire venir des invités, écrivains, hommes publics, personnalités connues, autour d'une thématique et y faire participer les premières terminales volontaires. Il y avait les expos du lycée également, c'est-à-dire faire des expositions artistiques dans l'établissement. En 1994, la Gazette du lycée fait son apparition, d'abord en format A4, puis en A5. Ce journal changeait de couleur tous les mois. Ce journal était principalement rédigé par les élèves, par quelques professeurs aussi et autres membres du personnel. Et donc, il avait vocation à expliquer un petit peu ce qui se passait dans l'établissement, parce qu'il y avait énormément de choses d'organiser dans le lycée. Et donc, ce journal était donc rédigé par les élèves, et après la mise en page, l'impression, etc., était réalisée par monsieur Pierre Amourette, qui était le documentaliste de l'époque, donc le responsable du CDI. Donc c'était lui qui avait le titre de rédacteur en chef, et donc nous, bah, on arrivait un petit peu avec nos articles, donc soit qu'on rédigeait à la main sur une feuille de classeur, ou soit qu'on rédigeait sur les PC, qu'on mettait sur des disquettes, et donc lui travaillait avec les disquettes pour pouvoir après faire la mise en page et imprimer. Déjà les élèves qui travaillaient au journal du lycée, soit c'était des élèves qui avaient une appétence pour la partie rédactionnelle, journalisme, etc. On a d'ailleurs un copain de l'époque qui est devenu journaliste à la Dépêche de Louviers quelques années après, donc c'était rigolo. Alors il y avait plusieurs façons de travailler, il y avait soit les articles vraiment purement rédigés comme n'importe quel journaliste, c'est-à-dire que par exemple il y avait un événement comme une rencontre UNSS au gymnase, quelqu'un y allait, prenait des notes, voilà, et puis on faisait un article sur la base de ça. Et la deuxième forme, c'était les interviews. Donc, où on interviewait par exemple M. Soudjian, hein, qui était le proviseur à cette époque, ou l'interview d'Odile Lécuyer, qui était la dame qui occupait la loge à l'accueil. Alors on a fait, au-delà des actions vraiment qui se passaient à l'intérieur du lycée, ça nous est arrivé aussi de faire un petit focus, un petit zoom sur des sujets plutôt d'utilité publique, on va dire,
par exemple de faire un article sur les Restos du Cœur. Quand l'édition était sortie, on envoyait le journal pour dire « bon ben voilà, c'est publié ». Alors bon, ça restait modeste malgré tout, mais on a reçu à l'époque des lettres, par exemple des Restos du Cœur qui disaient qu'ils remerciaient les élèves du lycée de Val-de-Reuil pour leur implication, etc. Voilà, au départ c'était les infos du lycée, et il y a eu une décision qui avait été prise à la rentrée de septembre 97 de modifier le nom et donc de l'appeler le bloc-notes. Des projets portés par des professeurs qui sont nombreux à être passés dans les murs de l'établissement. Comme Constance Pau, qui a commencé sa carrière en 1994. Âgée de 30 ans à l'époque, cette enseignante d'allemand a fait sa demande d'affectation à Marc Bloch dès son diplôme en poche. J'ai passé le concours en 91, et comme mon désormais ex-mari a de la famille ici tout à côté, je savais que le lycée ouvrait à la rentrée 91. Et donc j'arrivais de l'académie de Paris, où j'avais travaillé comme vacataire et où j'avais fait mon stage. Et donc j'ai demandé non seulement le département, mais carrément le lycée de qui s'appelait lycée de Val-de-Reuil à l'époque encore. Voilà. Et bon, je ne l'ai pas eu parce que la collègue qui l'a eu, elle a beaucoup plus de points que moi, voilà, plus d'ancienneté. Et donc je l'ai eu donc 2 années après avoir travaillé 2 années aux Yvelines dans un collège. Et comme les effectifs continuaient à baisser, moi étant la dernière arrivée, en 2005, j'ai perdu mon poste ici. Et lorsque ma collègue, qui était la première arrivée sur l'unique poste qui restait, a pris sa retraite en 2009, Madame Ozel, eh bien c'est moi qui ai pris la suite, puisque nous étions peu nombreux à savoir qu'il y avait un poste qui se libérait quand elle partait à la retraite. Et donc, je suis revenue en 2009, c'est-à-dire qu'avec Madame Ozel, nous avions mis en place un échange, nous avions mis en place des voyages, avec Monsieur Jeanne d'ailleurs aussi. Et puis, quand je suis revenue, j'ai repris au pied levé quasiment l'échange, j'ai repris après un peu plus tard des voyages. Voilà, et j'ai retrouvé, très curieusement, j'ai retrouvé d'anciens élèves qui étaient devenus parents d'élèves. Depuis que je suis là, j'ai eu 3 collègues qui étaient d'anciens élèves. Encore à l'heure actuelle ? Encore à l'heure actuelle. Je me suis retrouvée, quand je suis revenue, quelques années plus tard, avec mes nièces comme élèves. Ça, c'est rigolo, parce qu'Andorre, elle m'appelait Tata, alors qu'il existait Madame Pau. C'est-à-dire que moi, j'ai organisé les échanges avec Rita Wouda, avec la ville de jumelage de Val-de-Reuil et son lycée. Alors, pas les premières années, parce que les premières années, jusqu'en 2005, Rita Wouda n'avait pas de lycée. Ça s'arrêtait au collège et les élèves qui allaient au lycée devaient aller dans une autre ville à 15 km. Et donc les premiers échanges, 98-99, on les a faits avec cet établissement, puisque nous faisons l'échange avec le niveau lycée, en fait. Voilà. Alors j'ai arrêté en 2017, j'ai fait le dernier échange, parce que donc en 2 ans auparavant, j'ai repris le projet Kinema. L'autre jour, j'ai fait le compte du nombre d'élèves que nous avons en 15 échanges emmenés à Rita Wood. C'est entre 550 et 600 élèves. Christine Grenier, aide de laboratoire depuis 1995, 27 ans de métier, et n'est pas prête de changer. L'établissement, quand je suis arrivée, c'était merveilleux. Établissement tout neuf, matériel tout neuf, laboratoire excellent, une équipe de profs géniale, une famille, quoi. Et pour l'ensemble de l'établissement, c'est ma deuxième famille, quoi, parce que tout le monde s'entend bien, c'est assez jeune. Dans l'ensemble, je les ai tous kiffés, quoi. Franchement, ils sont bien, ils sont humains, en tout cas. Donc,
Super. Et même dans les autres matières, hein. Bon, il y en a qui sont partis que je regrette, hein, mais pour les 30 ans, j'espère qu'ils seront là. Mais, et même dans les collègues de service général, comme on dit, les techniciennes de surface, il y en a qui sont partis et c'était une bonne ambiance. Moi, par exemple, à chaque vacances, je fais un pot au labo avec ceux qui veulent venir, on ramène chacun quelque chose et il faut que ça reste dans la chaleur humaine parce que les profs, ils subissent beaucoup aussi. Hein, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas beaucoup de travail, mais il faudrait être à leur place pour comprendre, quoi. Mais non, c'est... j'ai toujours... Enfin, et je resterai là jusqu'à ma retraite, hein, je l'espère en tout cas. Mais j'adore mon métier, hein. Ce que je pourrais dire, c'est qu'au début, j'étais pas à l'aise, hein, parce que je suis arrivée, j'étais assez jeune, donc j'étais timide. Et on prend de, comme on dit l'expression, on prend de la bouteille. Donc maintenant, je vais facilement vers les élèves, j'ai pris plus de discernement. Avant, j'avais tendance à leur rentrer dedans assez, assez fort, maintenant, voilà. Mais il y a des élèves qui m'ont fait rire, oui. Du style, il y avait un TP où il fallait frotter des lames de différents métaux. Et je disais, il faut mettre de l'huile de coude. Et il y a une élève qui me dit, il faudrait que je demande à ma mère, elle en a. Et je lui fais, c'est sûr. Et le lendemain, l'élève revient et je la revois. Puis je lui dis, t'as apporté ce que maman est là? Moi, oui, mais j'ai compris que ça n'existait pas. Mais il y a des choses comme ça, c'est sympathique. Et puis, on est là aussi pour leur apprendre. Hein. Les erreurs sont utiles, hein, pour se bonifier. Donc, non, très bien. Mais j'ai vu aussi, quand il faisait chaud et tout ça, c'était le Roland-Garros. J'installais une télé et tout. Avec une antenne, c'était un porte-manteau. On avait des petits fauteuils. Et certains profs de différentes matières venaient pour suivre. J'aime mon lycée, hein, ça c'est... Et puis maintenant qu'il y a une femme à la tête, ben, c'est super aussi parce que ça dynamise autrement. Bonjour. C'est la salle des professeurs. D'accord. Je suis une ancienne lycéenne du lycée Marc Bloch, donc il y a plus de 30 ans. La pendule est toujours là, il y a toujours le petit rond, la pendule. Donc ça, ce sont des casiers, et donc à notre époque, nous n'avions pas de casier. Ah, 122. Bonjour. Ça va ? Préparation du bac, les ECE, enfin ouais, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, c'est surtout course-poursuite. Non, c'était juste pour dire bonjour. Ouais, voilà. Bah, super. Donc tu passes à la mairie de Valjoie maintenant. Angélique Chassis se souvient bien de ses années lycée. Professeur d'économie, passé par la mairie de Val-de-Reuil, cette ancienne élève est nostalgique. On avait l'impression que c'était un bateau qui arrivait, puisqu'il a la forme en fait d'un bateau. Et on était très contents de pouvoir au moins aller au lycée à Val-de-Reuil, puisqu'il n'y avait pas de lycée. Hein, et donc c'était pour nous une suite logique de continuer notre parcours scolaire sur Val-de-Reuil. Et ce lycée est arrivé vraiment au bon moment. Et je suis arrivée quasiment avec d'autres de mes camarades du collège, puisque je venais du collège Alphonse Allais. Et puis j'ai eu aussi l'occasion aussi d'être accompagnée par Guy Paul, qui était notre gestionnaire en fait au lycée et qui était vraiment très très impliqué dans les actions et les activités des lycéens. Donc il s'occupait de la partie technique et donc il avait son bureau tout en bas là, donc qui en fait est maintenant le magasin optique. Donc avant c'était son bureau, voilà. Donc c'est pour ça que le lycée n'a pas foncièrement changé dans sa fonctionnalité, mais on voit que ses activités ont évolué et que les salles, pour certaines, ont évolué également. Puis c'est aussi des années où on se découvre en tant qu'acteur et citoyen de notre ville, puisqu'on est fortement impliqué dans des actions citoyennes. Et en plus, j'ai été déléguée de ma classe pendant
deux ans. Et donc on a pu mener des actions et on a pu être aussi sollicité sur des questions de société, sur par exemple s'il fallait continuer l'armée ou pas. Et donc on avait, et l'AVC avait été comment dire, associé et on avait été, nous en tant que citoyens et lycéens du lycée Marc Bloch, à venir en préfecture à Évreux pour pouvoir s'exprimer sur ces questions-là. Donc ce sont des éléments sociétaux qui m'ont aussi marqué et qu'on en discute encore aujourd'hui. On a organisé des grèves, nous, ici. Quand moi j'y étais, on organisait des grèves. Et si je ne me trompe pas, c'était la grève contre le CIPE, je crois, le CIP. On était appelés les pensionnaires, donc ceux qui prenaient pension ici le midi. Mais bon, il y avait beaucoup de monde hein, avant pour qu'on puisse accéder. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde et on attendait beaucoup, très, très longtemps. Dehors Alors dehors, ça pouvait arriver, mais c'est vrai qu'on se disait toujours que on mettait du temps et on se dépêchait pour aller récupérer notre plateau. Ça fait vraiment drôle de revenir là. Hein. Ouvrir le champ des possibles, assurer l'égalité des chances, faire découvrir l'art, la culture, débattre, s'écouter, échanger, développer son esprit critique. Près de 70 enseignants sont à pied d'œuvre pour transmettre leur savoir à leurs élèves, comme Pascal Jeanne et Bernard Chambray, deux chevilles ouvrières de nombreux projets. Alors des projets, il y en a quand même beaucoup, hein, en 25 ans. Je sais pas, celui qui nous a le plus occupé, le plus marqué, enfin, c'est peut-être celui des 20 ans. Oui. On avait organisé un colloque qu'on pourrait qualifier international, puisqu'il y avait un spécialiste allemand, un spécialiste suisse, etc., qui était venu, des spécialistes vraiment de l'historien Marc Bloch. Un projet d'aide à la scolarité, pour la culture et les arts au lycée. Ouais. On cherchait un nom, et il se trouve que Pascal, en plus, a évoqué Blaise Pascal, donc non, ça n'avait rien à voir avec moi. Hein. Alors, c'était dans le cadre du PRE, déjà, plan de réussite éducative, financé par la commune de Val-de-Reuil. Hein. On avait ce projet aussi, qui n'est pas original, hein, mais qui est important, c'est-à-dire de faire profiter à des élèves qui n'ont pas forcément accès à la culture, au lieu de culture, classique, de pouvoir de temps en temps y entrer. Nous avons un public qui est vraiment très hétérogène et c'est la raison pour laquelle les projets qu'on essaie de mettre en place ont vraiment du sens. Voilà. Parce qu'on emmène des élèves qui parfois ne sont jamais allés au théâtre, qui parfois ne sont jamais allés ici ou là dans tel ou tel lieu de culture. Donc c'est vraiment très important. Au-delà des événements marquants ou des grands projets, je crois que ce qu'on essaye, c'est de faire vivre ce nom de Marc Bloch, en fait. Parce que c'est un nom qui n'est pas forcément connu du grand public. Voilà. Alors, si on fait un micro-trottoir, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent exactement qui est Marc Bloch. Mais sa vision de l'histoire, sa vision de l'éducation, du monde, c'est ça qu'on essaye de faire vivre en prenant, comme il a essayé de le faire, toutes les strates de la société. Mais c'est vrai, il y a des moments où on a eu des passages à vide, on va dire ça comme ça, des fatigues. Bien sûr. Oui. Et puis on rebondit parce que de nouveaux élèves arrivent, de nouveaux projets se développent, et on retrouve du souffle. C'est pas linéaire, hein, cette histoire, mais comme dans toute histoire. La taille du lycée. Oui, c'est sûr. C'est que c'est une taille humaine. Je n'aime pas trop dire familiale, parce que ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais on est à une taille humaine. Beaucoup de gens se connaissent, font attention les uns aux autres. Et c'est vraiment un vecteur qui nous porte, je crois. Ce qui nous aide aussi, c'est toutes les structures de la ville. En fait, on est en partenariat avec la factory, on était en partenariat avec le cinéma, avec l'arsenal, etc. Il y a quand même un tissu culturel qui est très vivant à Val-de-Reuil. Que l'on soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, nos enseignants ont fait partie de notre développement. Nous ont transmis leur matière, ont construit notre rôle de citoyen.
Certains nous ont plus marqués que d'autres. Pour Rebecca, ses professeurs ont tous une importance. Histoire géo. J'avais une prof d'histoire géo qui s'appelait Madame Poirier. Ah, tout le monde en parle. Et c'était drôle parce qu'en fait, pendant ses cours, alors ses cours étaient vivants, quoi, ça c'est clair, mais elle s'asseyait sur le coin de son bureau et elle avait toujours une du genre. Quoi. Donc, ouais, donc c'était le truc, la position de la prof pour faire son cours. Oh, c'est Madame Poirier. Non. Je crois, hein. Si, c'est elle. Et ouais, c'est. Un lycée où je n'ai que de bons souvenirs. C'est vraiment de belles années, trois belles années de lycée, notamment parce que tous mes amis les plus proches, en fait, étaient de Val-de-Reuil, étaient du secteur de l'établissement, et la plupart, j'étais déjà avec eux au collège. Ils étaient aussi ici avec moi au lycée, et ce sont des amitiés qui durent toujours. Pour le coup, les épreuves du bac, je les ai passées aux Fontenelles. Et, mais oui, et en fait, pour le coup, c'est pas très loin, hein, mais j'avais jamais mis les pieds là-bas. Et pour moi, Louviers et Val-de-Reuil, c'était mes deux mondes différents. Quoi. C'était quoi, on va aller au Fontenelles. Ben, en fait, alors, je me souviens pas de tous mes profs, mais j'ai quand même des profs dont je me souviens très bien. Je pense au prof de philo, Monsieur Caudron. Alors, je l'ai eu qu'un an, mais c'est vraiment un prof qui m'a marqué parce que la façon dont il nous parlait, à la fois il était très simple, mais il avait une allocution, une façon d'être que je trouvais très sophistiquée dans mon souvenir. Et puis c'était une ouverture sur des sujets assez dingues. Et d'ailleurs, j'ai pas gardé mes cours de lycée, mais j'ai une pochette que j'ai toujours avec les fiches de synthèse de chaque chapitre de philo que je m'étais faite au propre pour réviser pour le bac. Et donc j'ai ces copies doubles, j'ai aussi gardé quelques contrôles. Et puis ouais, des profs qui étaient accessibles. Je me souviens de la prof de maths justement à S2 L2 qui était Madame Legrand et qui était assez petite comme ça, avec des lunettes rouges je crois, une blonde là aux cheveux courts et qui était super. Je me souviens du prof de physique, Monsieur Bourlet. Qui est encore là. Et ce qui est drôle, c'est qu'il nous faisait penser à Max Lexgi. Je sais pas, parce qu'en fait, il avait des lunettes avec un motif assez rigolo, quoi, un peu écaillé, blanche et noire. Et donc voilà, c'était notre Max Lexgi. Et ça nous faisait tous marrer. Si, il y a un projet auquel j'avais participé, c'était en cours de langue. Notre prof d'anglais, à ce moment-là, c'était Monsieur Thierry. Alors ça devait être en première ou en terminale, je ne sais plus. Et donc, en fait, il nous avait donné l'occasion, la ville, dans le cadre d'un jumelage, a accueilli des gens du Royaume-Uni, et on nous avait proposé, pour ceux dont le niveau était suffisant, d'être traducteurs, d'accompagner et tout le groupe. Donc j'avais participé à ça, donc j'étais super fière. Et ce qui est drôle, c'est que dans le cadre de mon boulot actuel, j'ai re-rencontré Monsieur Thierry, parce qu'il s'occupe d'un festival de films This is England, et dans le cadre de mon boulot actuel, donc pour la candidature Rouen 2028, je partais à Norwich pour rencontrer des interlocuteurs culturels là-bas, et il faisait partie du voyage. Donc dans le bus, Monsieur Thierry, Rebecca. C'est incroyable. Donc c'était les retrouvailles, et c'était vraiment, vraiment drôle, parce que je ne m'y attendais pas, et je ne savais pas qu'il était dans la boucle de ce festival, qui est un super, super festival d'ailleurs. Exactement. Donc quand il faisait beau, on était là assis sur les marches et on critiquait tous les profs. et donc si, il y a quand même un truc marquant dans ma vie du lycée Marc Bloch, c'est que mon mari, Maxime, était également élève ici. On a été dans la même classe, en seconde ou en première S2, L2. En fait, on était aussi dans le même collège, mais ici au lycée. Et donc, on n'était pas ensemble à l'époque, on était juste des camarades, voilà, on s'entendait bien et tout. Et puis, d'ailleurs, ses parents habitent tout près, là, au Vaudreuil. Et donc, en 98, on a commencé à sortir ensemble. Et voilà, depuis, ça ne s'est pas arrêté. Donc ouais, quand je parlais des amitiés profondes qui se sont nouées ici, la preuve. La sonnerie a changé. Dans mon esprit, c'était pas ça.
Je me souviens surtout de Monsieur Jeanne, qui était un prof d'histoire-géographie. Je crois qu'il est toujours à Marc Bloch, d'ailleurs. Et vraiment, il avait une espèce de classe, une espèce d'élégance qui vraiment, moi, me frappait. Et il était toujours très calme. Puis en plus, il avait été, comme il était grand, enfin, il est grand, donc, je sais pas, il dégageait une image de sérénité. Il se baladait avec sa tasse de café, avec un sens interdit dessus, pour pas qu'on le heurte dans les couloirs. Non, non, c'est surtout lui, si spontanément je devais citer un professeur, je dirais lui, mais il y en avait plein d'autres que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et il avait mis en place un programme dont je faisais partie à l'époque, qui s'appelait le Projet Pascal. Bon, qui a pas, je crois pas qu'il a duré ensuite, mais où en fait on faisait des sorties pour les élèves les plus défavorisés. On faisait des sorties culturelles, donc par exemple, on est allé au théâtre de Rouen voir un opéra. On était allé à Paris aussi, et moi, clairement, j'avais pas accès à tout ça dans ma vie privée. Et je me souviens que ça avait été un dispositif qui vraiment m'avait plu pour ça, parce que j'avais pu faire des sorties que jamais j'aurais pu faire avant. Avant que l'extension du lycée ne soit construite en 2007 et qu'une filière post-bac s'installe dans le hall, une cafétéria était installée en face du bureau du CPE, un endroit au style des années 80 qui a marqué de nombreux anciens élèves. Et donc en fait, donc quand on rentrait par ces portes, les portes coulissantes, elle était vraiment pas très loin, donc il y avait deux cabines téléphoniques qui étaient vraiment à l'entrée, et puis après, donc il y avait cette espèce de grande porte, et puis au fond, il y avait des distributeurs de boissons, puis il y avait des tables, et puis ça donnait sur cette cour-là, hein, finalement. Ça donnait sur la cour qui était ici. Et c'est vrai que moi, les souvenirs que j'ai, c'est que les récréations, entre guillemets, les temps entre les cours étaient pas immenses finalement, c'était des temps qui étaient courts, mais il se passait tellement de choses, il y avait toujours des enfin, on rigolait énormément, moi j'ai des souvenirs d'avoir ri en perdre le souffle, quoi. Vraiment, c'était des très très bons moments, et je pense qu'on sous-estime un petit peu tout ce qui se joue dans ces endroits-là. C'est des endroits, c'est informel, etc. Bien sûr, il y a toute la partie qui se passe en cours avec les apprentissages, etc. C'est vrai que moi, je me rappelle, donc il y avait ces fameuses armoires à boissons. Enfin, il y avait une machine à café, chocolat, etc. Et puis, il y avait une distributeur de canettes. Donc, la canette coûtait 5 francs à l'époque. Et je ne sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas, il y a un camarade qui a trouvé une espèce de petite technique pour avoir deux canettes. Donc il fallait introduire la pièce de 5 francs, il fallait appuyer sur les deux boutons en même temps, et là deux canettes tombaient. Et donc bien évidemment la nouvelle elle s'est répandue comme une traînée de poudre, et tout le monde utilisait cette technique. Et puis c'était marrant de voir la direction se creuser un petit peu la tête pour essayer de trouver, parce qu'il y avait la personne qui rechargeait les armoires à boissons, l'armoire à boissons qui revenait beaucoup plus régulièrement. Et c'est vrai que nous on avait beaucoup ri à ce moment-là, parce que ouais, c'était le fait qu'il comprenait pas un petit peu ce qui se passait, et c'était marrant parce que des fois donc le téléphone sonnait, et le premier qui passait par là pouvait décrocher, c'est ce qui se passait. Et donc et là c'était marrant parce que donc la personne demandait à parler à un tel, et là il y a un truc magique qui se passait, c'est qu'il fallait trouver le un tel, et là l'info elle partait dans tout le lycée. Mais oui, il est en première S, attends, je crois qu'il est là, je l'ai vu à côté des toilettes. Et après le un tel en question venait et décrochait le téléphone, et puis oui, allô, et puis la discussion avec... et ça marchait à tous les coups. C'était marrant de voir cette info là circuler jusqu'à trouver le bon interlocuteur. Enfin, au-delà des quatre murs qu'il y a et de la pancarte écrit lycée Marc Bloch, c'est qu'on doit rattacher ce lycée à une entité plus grande que le lycée, pour moi, qui est Val-de-Reuil. Cette ville-là, le fait d'avoir grandi comme moi dans une ville comme Val-de-Reuil, qui est une ville jeune, c'est vraiment... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte d'être plus vieux que son lycée, par exemple, comme c'est mon cas. Et ça a été toute ma jeunesse et ma scolarité à Val-de-Reuil, ça a été comme ça. Et le fait qu'il y a des... Les rolivalos en eux-mêmes, forcément, qui sont dans le lycée, font que ça apporte cette espèce de petite plus-value qu'il y a. Et moi, je ne changerai rien à la jeunesse que j'ai eue à Val-de-Reuil et aux années que j'ai passées ici au lycée. Mais oui, effectivement, je me suis marié avec une camarade de classe aussi. Ouais. Dans les années 90, les lycéens avaient de l'inspiration pour revendiquer leur mécontentement et lever leur voix. Au printemps de l'année 97,
Des signalements d'habitants entre Val-de-Reuil, Pont-de-l'Arche et Louviers sont enregistrés. Des plaintes pour vol de nains de jardin dans les propriétés du secteur. Deux mois plus tard, le 9 juillet de cette même année, le jour des oraux du bac, Guy Soudian se rend compte que des individus se promènent sur le toit de son établissement. Nous avons réussi à libérer les nains de ces jardins ridicules où les beaufs sont les rois. Un jour, au moment du bac, il y a eu une révolution des nains de jardin, c'est-à-dire que les élèves qui avaient volé tous les nains de jardin qui existaient, qui avaient sur Val-de-Reuil, ils les avaient mis sur le toit du lycée. Ça, c'est plutôt amusant. Ça n'avait pas beaucoup plu à la gendarmerie à l'époque. Il y avait un tract qui avait été fait, d'ailleurs, par les élèves, qui s'appelait le Front de Libération des Nains de Jardin. Le Front de Libération des Nains de Jardin a vraisemblablement des ramifications dans notre région. Des dizaines de nains de jardin se sont volatilisés. Dans la région de Montpellier, eh bien, on est victime, certains particuliers sont victimes d'un étrange commando qui se fait appeler le Front de Libération des Nains de Jardin. 86 petits personnages en terre venant de diverses propriétés du secteur sont alors récupérés par la gendarmerie. 4 jeunes sont identifiés et ramenés à la brigade dans la nuit. Leurs revendications avaient été diffusées par le biais d'un tract. Pour eux, il fallait libérer ces nains qui avaient scrupuleusement été exploités depuis longtemps dans les jardins. C'est rigolo, mais qui a eu cette idée, je ne sais pas, mais franchement, c'était pas mal, quoi. Parce que du coup, il y avait des nains de jardin sur le toit du lycée. Sur la terrasse, oui, tout là-haut, quoi. Ce mouvement créé à Alençon n'a pas touché que la Normandie. Dans le monde entier, des centaines de nains de jardin ont été libérés dans les forêts. Chez nous, ils ont tous été restitués à leurs propriétaires. Si l'on parlait déjà d'extension à l'inauguration de l'établissement, c'est en 2005 que le conseil régional donne son accord pour augmenter la superficie du lycée. À sa tête, c'est Daniel Dugor, proviseur de 1998 à 2006, puis Jean-Paul Turpin, proviseur de 2006 à 2010, qui suivent les travaux en lien étroit avec la municipalité de la ville. 1400 m² s'ajoutent alors au bâtiment de Jacques-Étienne, afin de créer des salles post-bac destinées aux élèves de BTS optique. Imaginée par l'architecte Patrick Mauger, cette extension reprend les matériaux du bâtiment de base. Au béton blanc s'ajoute le vert, qui offre transparence au foyer des élèves, à la salle de conférence élargie et aux nouvelles salles de formation. La façade d'angle est protégée par une terrasse végétalisée. Perceptible dès l'entrée, cette extension centrale décline une nouvelle identité du lycée et affiche la vie sociale de l'établissement. Je m'appelle Grace Loubassou, je viens de Val-de-Reuil en Haute-Normandie et actuellement j'étudie à Sciences Po Paris, sur Paris, donc un IEP qui étudie plutôt les sciences politiques. Donc tout a commencé à Val-de-Reuil justement, où j'étais au collège Alphonse Allais. Ensuite je suis passée au lycée Marbloc. Donc le lycée Marbloc reste vraiment une de mes meilleures périodes parce que non seulement je m'y suis épanouie intellectuellement, mais aussi personnellement. J'ai toujours eu de très bons profs, j'ai toujours eu un très bon encadrement et je pense que j'ai fait beaucoup de choses là-bas pour essayer de changer les choses, notamment par le biais d'un club de théâtre ou même d'une vie lycéenne, mais aussi par le biais de l'atelier Sciences Po Paris. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, Val-de-Reuil est un foisonnement, Val-de-Reuil est une richesse d'architecture, une richesse d'entreprise, une richesse d'initiative et une richesse en matière de lycée. C'est le meilleur lycée de l'heure, il était donc normal qu'on puisse permettre à tous les élèves d'accéder à ce qu'il y a de meilleur, à l'excellence, aux grandes écoles, à Sciences Po. Il y avait eu une promo avant, donc une promo timide, mais quand même avec deux personnes qui avaient été sélectionnées, qui étaient rentrées à Sciences Po, Khadija et Alexia, que je salue au passage. Et donc du coup, c'était encore assez timide. Donc la promotion était assez importante de la part de Sciences Po, qui faisait aussi des tournées dans les lycées.
pour expliquer ce que c'était. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que tout le monde connaît l'école, mais pas du tout, encore moins quand on est lycéen. Et puis, il y a cette vague d'informations où il faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie en étant au lycée, ce qui est monstrueux parce qu'on découvre à peine des métiers. Et à part les métiers de nos parents, on n'a pas de réelle expertise dans d'autres métiers. Et donc moi, la seule chose positive que je trouvais pour Sciences Po, c'était de me dire « Bon, bah, je ne sais toujours pas ce que je veux faire, je suis plutôt bonne élève, c'est très générique, j'y vais. » C'était comme une option. On avait donc, ça a beaucoup évolué cette année, c'est beaucoup, enfin ces années, les années après nous en tout cas, ça s'est structuré de plus en plus. Mais à l'époque, c'était 2 heures le vendredi soir. Et toute la semaine, on devait un peu travailler sur un dossier de presse et un sujet à traiter. Et ensuite, à la mi-année, il y avait une sélection. Un jury composé notamment de monsieur le maire et de d'autres professionnels, pas que de l'enseignement, mais des professionnels, on va dire, de différents métiers. Et quand on passait cette étape-là, on était sélectionné pour aller à Sciences Po, faire le grand oral, pour justement débattre de notre sujet, le présenter et répondre aux questions, et là d'un jury encore plus costaud. Et c'était à Paris, on y allait avec nos professeurs et on a été mon année 2 à être sélectionné. Charline, que je salue aussi. Très agréable d'être au lycée parce qu'on sentait cette bienveillance de la part du corps enseignant. On se connaissait déjà, on passait quelques vacances ensemble avec d'autres camarades. Aujourd'hui, je prends beaucoup la parole pour mon travail et je repars toujours de ce point de départ, c'est un peu mon point zéro. Je suis partie avec énormément de chance. Le lycée m'a donné beaucoup de confiance en disant tu peux le faire, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas être intimidé, il faut vraiment y aller. Fais ton dossier, travaille-le et présente-le. Aujourd'hui, je travaille pour le groupe Canal+. Je suis la directrice des relations institutionnelles et de la RSE. Et je voyage, je suis côté Canal+ International. Et donc, je voyage sur notamment le continent asiatique et le continent africain pour mener des projets. Je reviens de Cannes, mon premier festival de Cannes, très contente. J'ai voyagé dans d'une vingtaine de pays. Et je me dis que si je n'avais pas été au lycée Marbloc, tout ça, je pense que j'aurais eu plus de difficultés à l'atteindre. On parle souvent du vivre ensemble rolivalois, de la magie rolivaloise, si je veux citer Fadila, notre élue. Il y a cette magie. Moi, au sein de nombreux voyages, précisément 4, j'ai croisé, mais de façon totalement non organisée, des personnes qui sont passées à Marbloc et qui sont à l'étranger. Le meilleur lycée du département. Une distinction que l'on doit à Jean-Pierre Cantrel, proviseur de l'établissement de 2010 à 2017. En partenariat avec la municipalité, le lycée a accueilli de nombreuses personnalités lors de conférences ouvertes au public. Le philosophe et écrivain Régis Debré, le célèbre journaliste Edoui Plenel, l'économiste et éditorialiste Dominique Seux, ou encore l'historien Jean-Pierre Rioux. Avec un taux de réussite au bac frisant les 80%, un partenariat avec un lycée chinois, Sciences Po ou encore une école de mode parisienne, Marbloc fut propulsé au rang du prestige de l'heure, voire de Normandie. Un des axes principaux du projet d'établissement de notre établissement, c'est ouverture culturelle. Bien sûr, réussite au baccalauréat, parcours assuré vers le supérieur, vous imaginez bien que c'est le numéro 1. Puis il y a le second, c'est ouverture culturelle, parce qu'un élève, c'est pas simplement un élève qui est en train d'apprendre des choses dans le cadre des programmes, mais c'est aussi quelqu'un qui s'ouvre à une culture générale qui n'est pas forcément donnée dans le cadre du cours traditionnel. Quand on entre au lycée, nous devons déjà penser à la suite. Orientation, métier, avenir. Encore adolescent, il est parfois difficile de mesurer les choix que nous faisons. Pour nombre d'entre nous, le choix d'une matière, d'un sujet, d'une filière, peut avoir une répercussion sur notre vie. C'est le cas pour Mehdi. La salle où il y a eu la discussion en seconde pour continuer l'école et pas l'arrêter, c'était là-bas au fond à droite. Ça, je me souviendrai toujours parce que c'était... de moments où on se dit, de toute façon, il y a une décision à prendre qui va changer le cours des choses. Puis, en cours de seconde, je crois que je me démotive complètement. J'ai plus envie d'apprendre. Presque tous les jours, je me demande ce que je fais là, enfin, ce que je fais là. J'étais plus là pour les amis, on va dire, que pour apprendre des choses qui m'intéressaient. Et d'essuyer des échecs dans certaines matières, ça m'a beaucoup, beaucoup troublé. Et jusqu'au point où je me suis dit... peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être qu'il faut que j'aille faire quelque chose ailleurs. Et vraiment très 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 envie d'arrêter.
Au point même que ce dont je me souviens, c'est que la photo de classe, je crois que j'y suis allé, mais je ne l'ai pas commandée. Donc on ne l'a jamais payée, on ne l'a jamais eue. Et puis, il y avait quand même des matières dans lesquelles je n'étais pas mauvais. Et je me souviens que la professeure principale, Madame Martel, m'avait dit « Tu vas arrêter, réfléchis un petit peu, on en discute. » Et les semaines ont passé, ça n'a pas changé. Et puis, il y a eu le jour J où on a été convoqué avec mon papa. Et on a beaucoup, beaucoup discuté. Elle m'a convaincu de rester. Et vraiment, l'argument phare qu'elle avait, c'était « Après la seconde, tu choisiras une filière qui se spécialise dans ce que tu aimes et tu pourras du coup éliminer ce que tu n'aimes pas. » Et là, j'ai choisi du coup la première STTAC, Sciences et Technologies du Tertiaire, option Action Commerciale. Moi, je suis très attaché à mes amis d'enfance. Et en seconde, j'étais le seul de ma bande d'amis d'enfance. Et en première, j'ai retrouvé un ami d'enfance, donc c'était moins difficile d'assumer 8 heures d'études par jour. En réalité, la première et la terminale, il y avait comme... J'ai ressenti, je dis ça comme ça, c'est peut-être un peu naïf, mais j'ai ressenti une sorte de proximité avec certains professeurs qui, parfois, nous provoquaient un petit peu pour essayer de nous pousser dans les retranchements. Vous avez des noms ? Monsieur Couturier. C'était, il avait deux phrases type... C'était un prof de quoi ? De marketing et communication. Et à l'époque, ces deux phrases type, c'était « Vous n'aurez pas votre bac » et « Même si vous avez votre bac, vous n'aurez pas de post-bac ». Et donc, en première, ouais, c'est ça, en première, et terminale surtout, il y a un professeur, moi j'ai eu 3 ans, Monsieur Poulet, professeur d'anglais, qui nous propose de recevoir tous les mercredis Alexis Nelson, qui était une américaine, une californienne de San Francisco, qui était venue à Rouen pendant un an et demi, et elle proposait des cours d'anglais de soutien. Donc j'avais pas besoin forcément de soutien, mais j'avais très envie de passer plus de temps avec l'anglais. Et Alexis, qui venait de Rouen, donc en fait elle prenait de son temps personnel pour venir en train ici et donner, je crois que c'était 2 heures de cours supplémentaires. Donc je le faisais, on était 2-3 à le faire. Et à la fin de son séjour ici, donc c'était fin de terminale, Monsieur Poulet propose à ce que ses élèves qui ont suivi les cours particuliers, pour remercier Alexis qui était venu de San Francisco pendant un an et demi, qu'on aille dîner à Rouen un soir, et à la fin de ce dîner, elle dit « Si un jour vous venez à San Francisco, dites-le moi, il se peut que je puisse faire quelque chose pour vous et vous accueillir. » Et c'est ce qui s'est passé pour moi un an, jour pour jour, un an après. Son bac en poche, il évoque son souhait de post-bac en BTS Commerce International sur une feuille A4 donnée à l'administration. Et oui, à l'époque, pas de Parcoursup, APB ou Ravel. Le système informatique venait tout juste d'être démocratisé. Dans son cursus, Mehdi trouve un stage chez Hermès Parfum. Une de ses collègues envoie son CV en Californie. Un rêve pour le jeune homme. Réponse positive. Il partira à San Francisco 2 semaines plus tard. Me voilà parti là-bas. Et je préviens tout de suite Alexis Nelson, avec qui on avait eu ses cours particuliers au lycée Marc Bloch. Vous étiez toujours en contact avec elle? Ouais. En contact, on s'échangeait des emails, mais pas tous les jours. C'était aller une fois tous les 6 mois, qu'est-ce que tu deviens? Et donc j'appréviens, je lui dis, j'arrive sur San Francisco. Et là, elle me dit, moi, je n'y habite plus, j'habite Seattle, mais mes parents sont toujours à San Francisco, voilà leur numéro de téléphone, et rencontre-les dès que tu veux, dès que tu peux, et ils seront contents de t'accueillir et de te souhaiter la bienvenue chez eux. Je suis obligé de changer d'auberge de jeunesse parce qu'on n'a pas le droit de rester plus de 3 semaines. Et puis un jour, elle m'envoie un texto, la maman d'Alexis, elle me dit, j'ai besoin de te voir au bureau, j'ai une opportunité pour toi, pour de l'hébergement. Et donc j'y vais. C'est une dame qui avait son propre cabinet d'avocat sur la rue principale de San Francisco. Et elle me dit, viens, il faut que je fasse rencontrer ma salariée. Donc je rencontre, elle s'appelait Lynn Johnson. Et donc cette Lynn me dit, avec mon mari, on part en vacances pendant 1 mois. Et ça se fait beaucoup à San Francisco, plutôt que le loft reste vide. On te propose de y habiter, on te demande simplement de passer aspirateur, relever le courrier, arroser les plantes et prendre soin du chat. C'est incroyable. Et j'ai dit ouais. Donc elle me dit viens, je te fais visiter. Et c'était un véritable loft comme on les voit à la télévision. Le mari était DJ, donc j'avais des platines de scratch avec une collection de vinyles pas possible. Et ils avaient un rooftop. C'est la terrasse, c'est le toit du building où il y a le loft. Et donc ça a été le début d'une nouvelle expérience. Donc
Au final, parfois, on ne se rend pas compte, mais quand on retrace tout le chemin, le simple fait d'accepter de prendre des cours particuliers avec une Américaine qui est venue proposer des cours particuliers au lycée, ça nous amène jusqu'à avoir un loft pendant un mois à San Francisco, à l'autre bout du monde. Alors, je suis venue à Val-de-Reuil quand je préparais mon concours pour devenir professeur donc, de sciences physiques. Comme c'est un concours qui nécessitait donc, des travaux pratiques, je suis venue dans ce lycée alors qu'il venait d'être terminé pour demander donc, à l'enseignant présent, hein, qui est M. Bourlet, s'il était possible donc, de m'accueillir avec mes deux amis pour donc, réviser les travaux pratiques. Et en contrepartie, on l'aidait à installer le laboratoire de sciences physiques, chose qu'il a acceptée. Et donc, 31 ans après, lorsque on m'a demandé donc, de choisir un établissement dans le cadre de ma mutation, j'ai choisi le lycée Marc Bloch. Alors c'est retour donc, à la source, mais c'est avec plaisir. Le public, la commune m'ont toujours intéressée, donc je suis ravie donc, d'avoir eu ma mutation l'année dernière. La commune m'a toujours intéressée parce qu'une jeune commune, la plus jeune commune de France, je voulais quand même voir l'évolution de la commune, et puis surtout je suis attachée donc au public, donc je sors donc j'étais affectée donc initialement en réseau d'éducation prioritaire sur Évreux, et ce public m'intéresse vraiment. C'est un défi de faire réussir donc des élèves, et il me semblait que dans la commune de Val-de-Reuil la mixité scolaire existe, et c'était vraiment un défi professionnel, mais c'est aussi un défi personnel. Il se trouve que vous travaillez dans la cathédrale de Val-de-Reuil. À Val-de-Reuil, il n'y a pas de cathédrale. Le plus grand bâtiment qui est dédié à la rencontre des gens, à l'esprit, à l'intelligence, au cerveau, c'est ici. Vous êtes notre cathédrale et vous êtes notre porte d'entrée. Parce que les architectes ont pensé à faire ce lycée sur un pli de terrain. C'est un peu comme si on était la porte romana d'une ville du sud de la France. Et donc, c'est une cathédrale et c'est une porte d'entrée. Et c'est important pour une commune. C'est une architecture, j'ai parlé de Jacques Etienne qui est avec nous, je pourrais parler de Patrick Mauger qui a fait l'extension, où je le connais bien, ou d'Henri Bayot, dont un certain nombre des enfants travaillent encore à la commune, et qui vous a aidé, Jacques Etienne, je crois, je ne le vois plus, oui, il a son bob, voilà. Et puis, c'est aussi une mémoire, et cette mémoire, je voudrais en parler. Et donc après un lieu, c'est un instant. L'instant, c'est un instant un peu étonnant, le moment où vous êtes, en termes d'amitié, en termes d'amour, en termes d'âge. Et donc, c'est un instant bizarre. Et le fait que ce soit un lieu remarquable et que le lycée soit un instant bizarre fait que c'est un endroit dont on se souvient toute sa vie. Il y a des endroits dont on se souvient. On se souvient de sa première maison, on se souvient de son collège, on se souvient de son école, on se souvient de son lycée. Puis il y a ceux qui sont de Marc Bloch. Et c'est pas la même chose. Et ce qu'a créé l'approviseur en créant un club d'alumni, en faisant en sorte que l'autre jour, un certain nombre d'anciens élèves viennent, c'est de créer une communauté. Vous avez foulé les mêmes endroits, vous avez connu les mêmes profs, vous y aurez vu passer un certain nombre de proviseurs. Ce qui est étonnant ici également, c'est qu'au fur et à mesure que vous serez dans ce lycée, vous vous souviendrez de Jean-Paul Briglia, qui l'a fondé, de Guy Soudjian, qui l'a vraiment affirmé, de Daniel Dugor, qui était le maire de Saint-Étienne-du-Vauvray, qui est mort peu de temps après avoir quitté, de Jean-Claude Turpin, qui venait de Mayotte et qui a fondé le BTS d'optique, qui a fondé avec moi et avec d'autres l'atelier Sciences Po, évidemment de M. Cantrel, auquel je pense souvent. Je n'oublierai pas M. Garnier, avec lequel je ne m'entendais pas tous les jours. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que le lycée, c'est de la politique. Être au lycée, c'est de la politique. Profiter du lycée, c'est de la politique. Vous êtes dans un pays où chaque année, avec des gens qualifiés, vos enseignants, je ne vais pas refaire le coup d'Albert Camus et de Louis Germain, mais avec des enseignants qui sont formidablement qualifiés, qui vous aiment, qui vous accompagnent, qui vous encadrent, qui n'ont qu'un seul désir, somme toute, c'est que vous réussissiez, avec vos parents qui sont d'accord pour que vous alliez au lycée, vous allez dans un établissement qui a coûté quelques millions d'euros à un moment et qui continue d'être entretenu. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Et c'est comprendre qu'à un moment, ce qu'on paye par l'impôt, c'est le service public, que le service public bénéficie à tous,
que nous, nous essayons de faire la même chose dans la commune avec les écoles, et que le lycée est peut-être la chose la plus importante qui soit dans une vie. Voilà, donc vous êtes peut-être, au moment, avant la fac, après le collège, le moment le plus important de votre vie, celui où se décidera le reste de votre vie. Bien sûr, on peut faire des rebonds, bien sûr, on peut changer, rien n'est gravé pour le temps, mais je voulais vous dire que c'est l'endroit peut-être qu'un jour, dans 50 ans comme moi, vous rappellerez qu'un jour de juin, il faisait très beau, la pelouse avait été tondue, on avait mangé le gâteau d'anniversaire au lycée et que vous étiez au lycée Marc Bloch. Et ce sera peut-être la chose la plus importante de votre vie. Donc c'était un grand théâtre avec des représentations journalières et des gens totalement différents qui avaient leur rôle à jouer sur place et qui n'avaient pas à porter un masque, mais à juste être eux-mêmes. On a l'impression qu'il y a un esprit, en fait, un esprit Marc Bloch. Il y a une sorte d'esprit de cohésion, d'appartenance chez le personnel, mais aussi chez les élèves. Le rôle d'enseignant ne s'arrêtait pas à la sonnerie, c'est qu'il y avait une écoute, il y avait une écoute et des conseils aussi qui en suivaient. C'est une période importante pour ça aussi, où vraiment c'est là que vous faites des amis qui durent. Ouais, non, c'était vraiment un chouette ici. Hein. Puis moi, c'est là où j'ai revu mon amour de jeunesse. C'est là où j'ai rencontré mon amour de jeunesse, alors. Forcément, des belles années. Enfin, franchement, tous les enseignants ont une âme géniale, quoi. Donc, c'est ça qui est bien pour la renommée de notre établissement. Hein. Lycée Marc Bloch, ça y va, quoi. Ben, il est toujours là. Que le lycée est toujours là, que... Ben... Et puis qu'on est beaucoup quand même de lycéens à habiter toujours le territoire. Donc on se reconnaît par notre vie ici. Moi je trouve que ça marche bien dans le paysage. Parce que bon, maintenant qu'il est complètement entouré de pavillons, de logements, ben, ça fait rien, il tient le coup. Donc c'est un bateau qui tient bien quand même. En fait, pour moi le message important, et c'est ce que je dis justement à mes enfants et ma femme, c'est pareil, c'est qu'on leur dit que finalement, ils sont en train de passer très certainement les meilleures années de leur vie. J'ai demandé et redemandé à être affectée ici. Beaucoup de mes collègues, à commencer par Madame le Proviseur, ont demandé à être affectés ici. Que j'ai beaucoup aimé ces enseignants-là. Je suis attaché à un certain nombre de personnes aussi. Et puis je suis attaché, c'est aussi bizarre parce que j'habite pas à Val-de-Reille, mais je suis attaché à ce territoire. Je suis soucieux d'en changer un peu l'image. Ici, il y a quand même quelque chose qui relève de la proportion humaine, encore une fois, qui est vraiment important. Alors qu'on nous avait dit que jamais on aurait des élèves brillants, et on a eu des élèves brillants qui ont des responsabilités très importantes, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Donc ça montre bien qu'on devient ce qu'on a envie de devenir. Et notre but, c'est de donner l'outil, de permettre à ceux qui veulent d'y arriver. Un lycée où je n'ai que de bons souvenirs. C'est vraiment de belles années, trois belles années de lycée. La honte, l'émotion. Non, mais c'est trois années géniales. En fait, c'est con parce que c'est les études et que les études ont... Mais moi, ça m'a fait grandir. Il m'a fait mûrir, il m'a fait grandir. J'ai rencontré des profs qui m'ont apporté beaucoup dans ma vie.